depuis toujours, les hommes ont demandé à la machine de les aider dans l'accomplissement de leurs tâches journalières. La mécanique, cette science aux intarissables possibilités, leur a permis, à force de recherches et d'inventions, d'améliorer progressivement leurs conditions de vie, d'économiser leurs forces et d'accroître le rendement de leur travail. Des chantiers de bois a apporté de gros avantages dans la rapidité d'exécution du travail, car le procédé classique d'épuration et de renouvellement à la main comportait de graves inconvénients. Faible rendement, risque couru sur bois exploité, tant au point de vue sécurité que qualité du travail, et aussi ralentissement de longue durée, gros consommateur de charbon. L'épuration du ballast sont absolument nécessaires pour assurer l'évacuation des eaux de pluie hors de la plateforme, car l'humidité est toujours nuisible à la conservation et à la bonne tenue de la forme. En effet, le ballast peu à peu est pollué, colmaté, par l'agglomération d'escorie provenant des foyers de machines, les poussières atmosphériques ou pulvérulentes issues de wagons imparfaitement étanches, ou encore provenant du frottement réciproque des pierres. La germination des graines et le développement de la végétation, les déchets d'usure du matériel et les remontées d'argile de la plateforme contribuent aussi à colmater le ballast. Il faut donc périodiquement l'épurer. L'épuration du ballast sur voie non exploitée s'opère ici au moyen de la dégarnisseuse Drouard. Cette chaîne sans fin, munie de raclettes, passe sous les traverses de la voie, qui est légèrement soulevée et calée. La chaîne travaillant dans un plan incliné transversal à la voie et guidée dans un couloir, enlève le ballast, le dirige et l'élève jusqu'au tabi vivant, où il est nettoyé et séparé des détritus. Le ballast récupéré retourne dans la voie, et les déchets reçus par un tapis transporteur orientable sont rejetés sur l'accotement. Pas à l'usure et doit être renouvelé complètement de temps en temps. Le matériel de dépose et de pose collet l'oiseau que l'on utilise ici est très simple. Des portiques munis chacun de deux treuils pouvant soulever 1000 kg se déplacent au-dessus de la voie sur un chemin de roulement constitué par des rails légers. Thank you.
chariot appelé Hitlori et de là dirigé sur un chantier de démontage. Dans un mouvement inverse, d'autres portiques utilisant le chemin de roulement apportent au-dessus des brèches les éléments de voie neuve. Ceux-ci, chargés eux aussi sur des Hitlori et constituant un véritable train, parviennent à un chantier de montage installé dans une gare voisine où ils ont été préfabriqués. Un tel procédé permet d'exécuter la substitution complète de 80 mètres de voie à l'heure avec un effectif d'une vingtaine d'hommes. Sur ce chantier où règne une activité ordonnée et minutée, sont montés les éléments de voie neuve qui tout à l'heure seront dirigés vers le chantier de pose, utilisant un procédé dérivant du procédé Collet-Loiseau et perfectionné par la région sud-ouest de la SNCF, notamment pour l'utilisation d'un matériel moderne de transport et de manutention. Les traverses réparties sur la voie de montage sont mises en place avant de recevoir le petit matériel nécessaire à la fixation de la voie moderne. Deux portiques de 8 mètres de portée, munis de panneaux électriques de 5 tonnes, servent à la manutention des rails qui, sans aucun effort de la part du personnel, vont prendre contact avec les traverses. Mécanique entre en action après éclairage et vérification du travelage. On poursuit le montage des éléments de bois qu'on appelle des longueurs. Prêtes au transport, elles vont être chargées sur des véhicules spéciaux appelés couplages, composés d'un châssis et de deux bogies. L'attelage est classique, mais un couplage sur deux est freiné à l'air comprimé et possède réservoir auxiliaire, triple valve, conduite, etc. Ce qui va permettre d'acheminer rapidement vers le chantier de pose les longueurs que l'on charge ici à l'aide des portiques électriques. Chaque couplage va recevoir trois longueurs superposées qui seront solidement fixées au droit des deux bogies et en son milieu. Conçus pour transporter des longueurs normales de 18 mètres, ces engins peuvent être allongés jusqu'à 24 mètres avec un cadre intermédiaire fixé par éclissage. Cette nouvelle conception du transport des longueurs permet d'acheminer celle-ci rapidement et en toute sécurité vers les chantiers de pose qui, en progressant, peuvent s'écarter beaucoup plus loin du chantier de montage. Ce dernier peut donc être confortablement installé pour une longue durée dans un endroit pratique et facilement accessible et fournir un renouvellement de 100 à 120 km de double voie. Le train de longueur arrive sur le chantier où va avoir lieu la substitution de la voie. Deux couplages vides, amenés par le train, sont destinés à recevoir les premières vieilles longueurs déposées. Aussitôt le matériel en place, la dépose commence. Elle s'effectue ici avec l'aide de portiques dont l'armature est tubulaire. Ces engins, munis de moteurs à essence pour la commande de leurs panneaux, se déplacent sur un chemin de roulement auxiliaire installé le long de la voie à renouveler. Répétant ici le travail des grands portiques du chantier de montage, ceux-ci arrachent et chargent aisément sur les couplages les éléments de la voie ancienne.
ballast va recevoir la voie neuve. Et tandis que se continuent les opérations de dépose, le chantier de pose, proprement dit, suivant pas à pas, on peut dire, va combler les vides par les éléments constitués amenés à pied d'œuvre par le train de couplage. Deux portiques identiques à ceux de la dépose entraînent tour à tour les longueurs vers leurs emplacements respectifs. Rapidement posées, les longueurs sont provisoirement déclissées pour permettre l'avancement du train de couplage au fur et à mesure de la progression du travail. Le matériel de transport et d'alimenter régulièrement les chantiers.